Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et nous retrouvons pour notre 32e épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney. Et justement, le premier épisode avec ce micro Eagleton que j'ai eu il y a quelques semaines et qui justement a de très bonnes voix. Et d'ailleurs, pour information, ce 32e épisode est le 3e de la Ace Attorney Week qui a commencé dimanche et qui terminera dimanche prochain. Donc, nous allons commencer la nouvelle affaire, puisqu'au dernier épisode, nous avons terminé la troisième affaire qui s'appelle la volte-face du samouraï. D'ailleurs, vous voyez la petite image en particulier concernant cette affaire, donc qui est assez belle, hein, je vous la montrerai de l'autre côté avec la vraie image Arte. Et nous allons nous occuper de la quatrième affaire qui s'appelle Adieu et volte-face, la dernière affaire de ce jeu, même si on a une cinquième qui a été reproduite que pour le jeu DS, mais quand même, c'est assez différent. Et justement, on va commencer avec Adieu et Volte-Face, l'épisode 4 de ce Phoenix Wright Ace Attorney. Ça fait quoi, 15 ans? À peu près, oui. C'est long, 15 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai souffert. Vous avez souffert. Et maintenant, l'occasion parfaite s'offre à moi. Enfin, je tiens ma revanche. Quoi? Joyeux Noël, mon petit ami. Je suis le Père Noël. Petit cadeau de Noël. Waouh! Non mais, quoi? Hunter? Hunter? Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est pas possible! Mais c'est quoi ce délire? Je viens de voir Hunter, c'est pas moi, vous avez vu, vous l'avez vu en même temps que moi. Waouh, c'est assez surprenant en tout cas. 25 décembre 10h08, cabinet d'avocat Wright & Co. Hey, Nick! Est-ce que tu sais s'il y a de belles cascades dans le coin? Des cascades? Oserais-je demander pourquoi? Bah Nick, c'est pourtant évident. Il me faut que je me mette sous une cascade, de préférence de glacée. Oh, ça fait partie de ta formation de médium? Bien sûr, mais ces derniers temps, je me suis laissé un peu aller. Je dois braver les éléments pour renaître sous les eaux jaillissantes du printemps. Je vois. Je ne connais pas de véritable cascade, mais il y a le lac Gros pas loin. Ah, zut! Désolé, c'est comme ça. Tu ne pouvais pas prendre juste une douche froide? Bonne idée! Les eaux jaillissantes du printemps, tu y parles? Également dans ce journal, un gros animal non identifié a été aperçu au lac Gou. Toute la ville en parle. Les habitants le surnomment déjà Gourdi en référence au monstre du Loch Ness Nessie. Bien que son homonyme Nessie ne se soit révélé que des traits canulaires, désolé, ce n'est pas le cas, puisqu'on a quand même eu des informations sur Nessie, les habitants sont certains que leur gourdi est bien réel. Impitoyable! Il ne pourrait pas aborder de vrais sujets pour une fois. Nick, la pression de la douche est vraiment trop basse. Tu veux plus de pression, hein? Tu n'as qu'à aller voir les pompiers, ils t'arroseront avec leur lance à incendie. Bonne idée, Nick! Beau sarcasme, mais ça fonctionne pas. Sarcasme fonctionne très bien sur Maya. Apparemment, la perception extrasensorielle n'aide pas à détecter les sarcasmes. Nous interrompons ce programme en raison d'un bulletin d'information spécial. Nouveaux événements étranges au Glagour, mais cette fois-ci, il s'agit d'un meurtre. Encore le Glagour? Le corps d'un homme a été repêché dans le lac tôt ce matin. Un suspect a été arrêté. De sources policières ont révélé que le suspect est un homme de 24 ans au nom de Benjamin Hunter. Hunter était un avocat plein d'avenir, réputé pour son talent et ses relations. Une belle et longue carrière lui était promise. Aurait-il tout perdu? Hunter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hunter n'en ferait jamais une chose... Nick? Mazel Maya! Je me suis fait jeter par les pompiers au téléphone.
Ça n'est rien comparé à ce que je viens d'apprendre. Hunter a été arrêté. Quoi? Tu parles de l'avocat? Oui, il est suspecté de meurtre. Quoi? Quand? Où? Qui? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Allons voir ça plus près, Nick. Et voilà. Début de l'affaire, vous avez vu qu'Hunter a été... Je sais pas, mais c'est bizarre parce que Hunter a été arrêté pour meurtre au niveau du lac Gour. Et justement, on va discuter un petit peu avec Maya de ce qu'on doit faire, notamment que faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On va enquêter! Il faut qu'on parle à Monsieur Hunter et qu'on passe le lieu du crime au peigne fin. Exact, nous avons bien besoin d'un plus d'infos. Le désespoir et la confusion, c'est plus tard. Suggestion? Alors, tu as des idées? Pas vraiment. C'est sous une cascade que je réfléchis le mieux. D'accord. Donc, on va se diriger. Comme d'habitude, à chaque investigation, on se dirige toujours au premier vers l'accusé. Un accusé que nous connaissons bien. 25 décembre, centre de détention Le Parloir. Tu sais, Nick, à un moment donné, nous sommes venus tous ici, non? N'est-ce pas? Je suppose que cela fait partie de notre travail. À mon avis, il vaut mieux éviter de trop le mentionner. Waouh, la tête. Ah! Reviens là, merde, reviens, on a besoin de toi. Et Hunter, revenez. Oh la tête. Mais qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Attends, j'ai du mal à refaire la voix. Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Nick, je crois qu'il est pas de très bonne humeur. Bah oui, il est en prison, non? Tu étais de bonne humeur, toi, quand tu étais ici? Alors vous êtes venu vous moquer de l'avocat déchu? Riez, riez donc! Alors, pourquoi vous ne riez pas? Nick, il faut rire. Non, c'est une ruse. Si tu ris, il va s'énerver ou fondre en larmes. Hunter, nous n'avons pas vraiment le temps de venir ici pour nous moquer. Oh si, vous avez le temps. Bon, il a pas tort. Je voulais un peu profiter de la musique parce que c'est une des dernières fois qu'on va l'entendre, cette musique de détention, qui est pour moi une des meilleures, on va dire une des plus tristes quand même, une des plus tristes. Ça s'appelle Jailer Elegy pour ceux qui se demandent. J'espérais que vous ne viendriez pas. Je ne voulais pas qu'on me voie. Pas comme ça. Et croyez-moi, je ne voulais pas vous voir non plus. Bon, on va commencer à discuter avec lui, notamment de ce qui s'est passé. Hunter, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi vous dirais-je quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais enfin! Nous aider, vous aider, c'est voilà ce que nous allons faire. M'aider? Vous? Ne soyez pas ridicule. Pardon? Vous êtes un débutant! Vous avez persigué à 3 procès! Hé! Certes, vous avez eu de la chance et vous l'avez tous gagné. Mais la roue finit toujours par tourner. Il faut du talent, right? De l'expérience. Nick, il t'insulte. Nick, pourquoi est-ce toujours moi qui dois se mettre en colère? Lac Gour. Le meurtre a eu lieu au Lac Gour, n'est-ce pas? Oui, hier, toi dans la soirée. Le lac est très loin de votre cabinet du tribunal. Pourquoi étiez-vous là-bas? Je ne vois pas pourquoi je vous le dirais. Monsieur Hunter, vous n'avez pas... Gourdi. Hein? Je suis allé voir Gourdi. Gourdi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te le dirai plus tard. Pourquoi Hunter refuse-t-il de nous parler? Là, il nous ment. Officiellement, parce que comme on a vu l'intro, etc., on peut dire qu'il nous ment quand même, il nous ment un petit peu. Et on va présenter notre shiny cookie, notre badge d'avocat, pour savoir s'il veut qu'on le représente. Votre badge d'avocat, Hunter, laissez-moi vous défendre.
Alors, si vous voulez savoir pourquoi j'ai un peu mal, c'est juste que je change de casque. Et le casque est un peu différent de celui que j'avais avant. Puisque j'ai prêté un casque à quelqu'un et j'ai récupéré son casque, j'ai récupéré le micro en même temps. Donc voilà. Hunter. Ah 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 ah. Elle est bien bonne, right? Mais je suis pas tombé aussi bas, pas encore. Qu'est-ce que vous insinuez? Moi, faire confiance à un petit avocat immature et ses trois petits procès? Jamais! Quoi? Ma situation laisse très peu d'espoir, right? Tous les avocats à qui j'ai parlé m'ont refusé de défendre. Quoi? En clair, ils ont eu peur de perdre. J'ai pensé qu'ils manquaient sûrement de confiance à cause de moi. Après tout, chacun de leurs clients a été déclaré coupable à cause de moi. Je ne vous crois pas. Quand bien même je ne veux pas que vous soyez impliqué. S'il y a bien une personne à qui je ne veux pas et je ne peux pas vous demander ça, c'est vous. Ok. Bon bah tu veux pas qu'on se représente, bon on se barre. Et on va se barrer où la cour. 25 décembre, parc du Lagour, entrée. C'est le lieu du crime? Oui, le Lagour est au milieu de ce parc. Je vois des policiers de patrouiller là-bas. Ils sont sûrement là pour interroger les gens. Hé hey, on dirait l'inspecteur détective là-bas. Mais encore une fois, on te voit encore en détective. Alors les gars, on est vachement nombreux dans le coin. Un de vous a trouvé quelque chose? Désolé, inspecteur, non, rien. Idiot! Le procès commence demain. On a bien un indice. On a besoin d'indices. Hop, hop, au pas de course. Mais inspecteur, il n'y a pas d'indice. C'est pour ça que nous avons arrêté cet avocat, monsieur Hunter. C'est évident, inspecteur. C'est lui qui... Bouclez-la! Je l'entre vous essaie encore de dire ça. Il aura affaire à moi. Enfin, je veux dire, fichez-moi le corps d'ici. Oui, oui, inspecteur. Je trouve l'inspecteur détective flippant aujourd'hui. Et t'es pas le seul. Les nouvelles recrues, hein. Ah! Ah! Vous êtes pour le truc, pour les fesses. Et mais quand tu as donné mon vrai nom? Quand? Et vous êtes pour le truc, pour les fesses. Right, Felix Wright. Ne se rappellerait-il jamais de mon nom? Et qu'est-ce que vous faites ici au juste, mon gars? Vous enquêtez? Hein? Oui, je suppose que oui. Eh ben, je suis prêt à vous aider. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Allez-y. Il est pas comme d'habitude. Je me demande ce qu'il a. En fait, monsieur Hunter nous a pas encore demandé de le défendre. Hein? Oh, ah bon? Bon, on va commencer à discuter avec lui. Notamment de ce qui s'est passé. Inspecteur détective, vous savez ce qui s'est passé ici? Hein? Vous le savez pas, mon gars? Non. Oh, ok, monsieur l'avocat paumé au pays des nuages roses. Petite dédicace à sa maille. Au pays des... Quoi? C'est pas grave, je vous fais un topo. Ça s'est passé la nuit dernière, à minuit 15. Il y avait une barque sur le Lagour. Dans cette barque se trouvaient deux hommes. L'un d'eux a tiré sur l'autre avec un revolver. Et le tireur était monsieur Hunter? Un flic est arrivé sur les lieux et l'a arrêté. Comment est-il arrivé si vite? Eh bien, il y avait un témoin. Quand le rapport est arrivé, on est venu au lac en quatrième vitesse. Un témoin? Hunter. Vous ne pensez pas que monsieur Hunter est un meurtrier? Absolument pas! C'est impossible! Et je me moque qu'il y ait un témoin, je ne crois pas un seul mot! Exactement! On se moque de ce que dit le témoin! Pas moi! Vous avez vraiment confiance en lui, n'est-ce pas, l'inspecteur? Bien sûr! Mais la police est quasiment sûre qu'il est coupable. Personne ne peut vraiment s'enquêter au sérieux. Oh non! Après tout ce que M. Hunter a fait pour nous aider,
C'est difficile de le croire, personne n'est de son côté. Personne n'est de son côté, excusez-moi. Mais vous, au moins vous l'êtes, inspecteur. Vous l'êtes. On va s'arrêter là et on va continuer à parler avec Monsieur Detective au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était GF, stay tuned!